Aujourd'hui, on est sur la station de Puy-Saint-Vincent. On est sur le chantier du télésiège de la Crête des Bancs. Donc on va remplacer l'ancien télésiège 4 places par un télésiège 6 places. On a commencé les travaux du télésiège au mois de juin de cette année. Donc on avait dans un premier temps démonté l'ancien appareil. On a effectué des travaux de terrassement pour déplacer la gare aval un petit peu plus en bas, un petit peu plus en aval, pour faciliter l'accès au télésiège, faciliter l'embarquement. On a également effectué des travaux sur la piste de Burle pour la rendre plus accessible également. Donc on l'a passé d'un niveau rouge à un niveau bleu. Donc ça permettra aux skieurs d'accéder plus facilement au télésiège. Donc durant les travaux, on a essayé de limiter au maximum l'impact sur l'écologique. Donc on a coupé un minimum d'arbres, on a replanté des semences spécialement étudiées pour notre station en fonction de l'altitude. On va également l'an prochain reboiser une certaine partie de la station. On va également mettre en place des dispositifs de protection pour les tétralières, et notamment sur le télésiège où on a des dispositifs pour avertir et éloigner les oiseaux. C'est un télésiège qui a nécessité un investissement de 7,6 millions d'euros, dont 1 million financé par la région et le reste par la station, pris en charge par la station. Donc c'est un investissement important pour la station et qui est un petit peu le terme d'une mise à jour du parc des remontées mécaniques de la station, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un parc récent et performant et fiable. Donc on espère qu'il pourra donner à la clientèle une grande satisfaction. Les sièges tournent, Doppelmayr effectue les derniers réglages. On a de la neige naturelle qui est tombée, on a du froid qui est arrivé, donc on peut produire de la neige sur la partie inférieure de la station. Donc on vous attend sur la Puy-Saint-Vincent pour cette saison.